Juste après cette plénière, les députés ont annoncé leur adhésion à l'Union sacrée de la nation. Je vous propose donc de suivre l'extrait de leur déclaration lue par le député Jean Baya. Nous, les 24 députés provinciaux du Kassai-Oriental, réaffirmant notre soutien indéfectible à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, résolu en outre à l'accompagner tout au long de son mandat dans sa ferme volonté de lutter contre la pauvreté, les antivaleurs et l'impunité sur toutes ses formes, conscient de la nécessité pour toutes les institutions, aussi bien nationales que provinciales, d'appuyer les actions du chef de l'État visant la paix, la sécurité et le développement du pays à partir de la base. Prenant acte avec satisfaction de la prompte création d'une nouvelle majorité parlementaire, avec comme conséquence la formation en cours d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation, acquise à la vision du président de la République, laquelle vision est traduite dans ses aphorismes. Le peuple d'abord, l'intérêt du peuple, c'est la loi suprême. Déclarons à l'unanimité, adhérer et demeurer activement dans l'Union sacrée de la nation, afin de matérialiser notre soutien au chef de l'État et à sa vision salvatrice de construire une nation forte.